Bienvenue sur Ôter l'Éternel en direct. Et elle est Marie. Il y a un en Christ. La semaine avait super bien commencé. Bien sur le boulevard Delfino. Lundi, j'ai su qu'à 4 heures que c'était ma fête. Et en fait, j'avais vu le psychologue et puis l'UDAF. La nouvelle. Lundi, super journée. Mardi, c'était un beau ciel, mon mardi. C'est juste Tata qui m'a fait chier, quoi. Du coup, je suis pas allé aujourd'hui. Pour ce putain de portable de merde qui se sert jamais, qui se fait 3 ans qu'il est dans le tiroir, ou 5 ans, ou je sais pas combien. Moi, j'ai mis ma puce dedans. Toute l'après-midi, elle m'a gonflé avec son téléphone. Le soir, je reviens, j'ai ma mère au téléphone. Putain, j'ai raccroché. C'est la première fois de ma vie que je raccroche à ma mère. Ma mère qui commence à me gonfler aussi avec le téléphone. J'ai dit, allez, c'est bon, le téléphone dans le tiroir, me faites pas chier, et aujourd'hui, je vais pas. Et puis, je vais pas jusqu'à dimanche, je crois bien. Et aujourd'hui, c'est un mercredi de merde, pour l'instant. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Il y en a marre de cette misère. Tu vois pas qu'on y est sur la planète des singes, sans déconner. C'est le pouvoir, les singes. Tu vois, le petit con, là, dans le dernier, c'est Sarkozy, quoi. Faut être l'acteur de son film, faut être l'acteur de la vie. C'est pas à la télé. On est tous un petit morceau de la vie. Maintenant, faut accorder les violons, là. L'argent, c'est de la merde, c'est le mal. Si ça sert à faire du bien, ça peut aller, mais quand les mecs, ils ont, je sais pas, des milliards, et ils achètent un timbre à la Croix-Rouge, ça va, ouais. Putain de merde. Comment que tu veux changer les mentalités de cette planète de triso? Tu sais, c'est les brebis. Quand il y en a une qui saute, elles sautent toutes. Bah, quand il y en a qui est con, il y a tout le monde qui est con. Mais c'est la télé qui rend comme ça. Ça devrait être interdit. Sous sa forme. C'est-à-dire le pub de merde. Bah, tout ce qui est à vendre, tout ce qui se vend, bah, c'est que c'est de la merde. Sinon, ça se donne. Ça se prête ou ça se donne. Putain, on a à foutre des choses qui brillent, des machins, des... vraiment gouverné par de la merde. Mais c'est planétaire. Hein. C'est ça que chef d'état d'âme, c'est compliqué. Va-t'en leur faire comprendre. Planète Lexo. Planète Triso. Des saloperies qu'il y a dans la bouffe. Là. C'est ça qui rend malade. L'industrie pharmaceutique. Là. Bientôt, ils vont te vendre le vaccin avant la maladie. Protégez-vous dorénavant contre la nouvelle maladie à venir. Tout ça, c'est du business. Et c'est de la merde. Et finalement, c'est comme le show business. Moi, mes musiques, c'est gratuit et il n'y a pas de pub. Ça plaît ou ça plaît pas. Quand je vois ce qu'ils écoutent les jeunes, moi, au moins, je le joue. Voilà. Et mes potes, ils jouent aussi. Mes astropotes. Alors, ça va être le nom du groupe. Premier album T'es éternel, Astropote. T'as un peu de thunes pour enregistrer, faudrait 2-3 trucs, tu vois. On a marre là d'avoir que des mégots. Tu vois. Enfin bref, je crois que je vais aller faire une petite sieste en attendant. De toute façon, il n'y a que là qu'on est bien. La noosphère, faut parler de noosphère. Comme tu chopes des ondes, c'est par rapport à la fréquence des acouphènes, et tu as ta famille de l'esprit, ton ADN de l'esprit, tu vois, pas compliqué. Mais n'empêche que j'en ai plein les couilles quand même, même quand elles sont vides.
Même si le mal c'est fait pour s'en branler, et j'ai beau m'en branler, eh ben, j'en ai plein les couilles quand même. Voilà. Envoyé spatial portée éternelle. Pace salut et Inch'Allah men iraim. Ça va partir en couille d'une force. Et l'autre qui vote des lois, non? Tu pourras prendre un bonhomme et puis le changer d'usine comme tu veux. Si c'est 50 bornes plus loin, c'est pas grave. C'est tout bénef, c'est lui qui paye l'essence. Non? On est gouverné par ça. La loi El Khomri, là, ça avait commencé comme ça, Nuit debout. La Ayatollah El Khomri. Non? J'arrête parce que là, je vais être méchant, je vais être très méchant.